Salut tout le monde, c'est Tagorko, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play qui se nomme Life in Strange. Et aujourd'hui on va commencer par l'épisode 1 Chrysalide et je vous laisse avec le début de la vidéo. Alors on y va, c'est parti, on avance, on doit aller par là, tranquillement. Voilà. Où est-ce que je vais? À gauche. Qu'est-ce qu'on a? On a une jolie tornade. Et on a une carte. Et la tornade. Oh là, c'est impressionnant. Ils ont bien joué sur le là-dessus quand même. Holy shit. C'est impressionnant. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Je vais bien, now, tout va bien. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Alors, on va se regarder un peu ce qu'on a là. Because of her images of hopeless faces. Ça, c'est une photo, je crois. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Oui, je veux bien me regarder comment on fait avec la souris. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? No. Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So. Look at this crap. Voilà. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Une photo avec plein de photos au mur. She could have taken another approach. I have to admit. I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. D'autres. Me too, Victoria. I haven't kept up with my journal as much as I should. Un journal plutôt. And there was honesty about the economic conditions of the air. Ensuite, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well. We've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie. Il me dit de prendre une photo, donc il faut utiliser l'appareil. On va prendre un selfie. Portraits are famous
Early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. Par le prof. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. C'est un cours tranquille, quoi. On peut se mettre n'importe où doux, on peut s'asseoir comme on veut. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, les cours sont comme ça aux États-Unis. Non, je plaisante. Enfin, je sais pas si ils sont comme ça. Please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Alors, on va mettre moi ou je le savais. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre. I did know, je le savais. But I kind of forgot. C'est beaucoup mieux. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Qu'est-ce qu'elle est gentille, copine à côté, ma chère. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Les cours sont bientôt finis. You can fait find quoi? Out all about him in your textbook, or even. Là, j'ai tout vu ce qu'il y avait sur mon bureau. Voilà, les cours. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be vetted by the art world. Great exposure. Mon avis, il y a plus de scènes dans un jeu. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Alors, du coup, on va avancer. Ah, un regard sur la droite. Et là, je vois quelque chose sur la table. C'est marqué quoi? This might make a cool shot. On va prendre la photo ou on va regarder? Bon, c'est pas grave, on va parler au professeur. Hein. Je pense que c'est ça, parce que sinon on peut pas sortir de la classe. Il faut que je lui parle. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody should have that chance. Oh, totally. I only want to share whatever gifts I have with the world. Bon, alors on a des photos, là on a une télé, est-ce que je peux sortir? Voilà, on serait douté qu'il fallait aller le voir quand même. On peut pas sortir comme ça. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Alors, je suis obligé ou j'ai pas eu le temps? Je suis obligé, oui. Obligé, t'es obligé, c'est un devoir. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Bon, très bien. C'est juste pour me dire ça, que je dois rendre mon devoir à la photo et tout. Donc, vu qu'on a parlé avec le professeur, je pense que ce coup-ci, on va pouvoir sortir. Enfin, je vais regarder un petit peu. Il y a qui, là? On sort par là. Non. Là, c'est un appareil photo. Oui, merci, je savais pas ce que c'était. Il n'y a pas grand chose à regarder de ce côté-là, par contre. Par qui discutent tous les deux, c'est tout. Là, il y a des photos, on peut regarder. Voilà, le phare qu'on a vu tout à l'heure au début. Il ressemble vachement. Là, c'est quoi? On peut regarder les photos? Non. Là, on peut pas sortir. On va aller parler à... Elle, le bout de papier que t'as jeté tout à l'heure.
Now I wish I wouldn't have read this. Marqué quoi? Je n'aurais pas dû lire ça. On oublie, oui. Surtout que c'est en anglais, hein. Mais on comprend les deux derniers mots. Voilà. Bon, on a fait le tour de la classe là. Even her school books are gift wrapped. Le manuel de cours. I can't believe she made fun of me in class. Ça, c'est what is quoi? She 15 years old? Si j'arrive à and people laughed. Me positionner. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Super appareil. Très cher même. 6 000 $ quand même. À mon avis, c'est... Mais elle n'est pas d'une famille de pauvres. Hein. Bah, c'est man, la télé. He even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ouais, je peux plus interagir avec eux, donc ça veut dire qu'on a terminé la mission de discuter. Wow, Mr. Je viens de voir, c'est l'appareil photo du professeur, Monsieur Jefferson. Bon, cette fois-ci, je suis décidé, je vais sortir. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture to C'était comme ça au lycée. Hein. Ah, pour moi, je sais. Un peu. Il y avait un peu tous les genres. Ouais, pour vous, je ne sais pas. Square Enix. Allez, écoutons la musique d'introduction du premier épisode. Long couloir de lycéen. Alors voilà, ça c'est les couloirs des lycées américains. Ils ont leur casiers et tout. C'est tout à fait style américain. Pour info, c'est aussi pareil au Canada. Parce que comme ils sont français et anglais et puis qu'ils sont à côté des États-Unis, ben, ils font à peu près du même style, à peu près du même genre. Ça c'est quoi ça? Une affiche? On dirait qu'elle a disparu depuis des mois, ma vie. Ma vie c'est peut-être le sujet du jeu, peut-être. Essayer de la retrouver, je ne sais pas. On verra ça tout au long de l'aventure. Est-ce que je peux aller par là? Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. Zachary. Et vous êtes. God, Samuel is such a weirdo. Le concierge, d'accord. Ah, je sais, le concierge. Là, nous avons des trophées. Très joli. Là, on a encore des affiches. À mon avis, c'est le centre de partout. Là, est-ce que là, on peut sortir? Non. Là, il y a encore quelque chose à regarder. C'est marqué quoi? Pas tout ce qui est épinglé sur les panneaux. Évidemment, on continue. Là, ça c'est quoi? Ça c'est le bureau du proviseur, on peut aller voir non plus. Miss Grant, la vie trop chère. Là, je peux pas lui parler. How many students ever actually memorize all this ça shit? C'est le plan du lycée. C'est très grand. Que je dois aller. On va aller. Voilà. Comme elle a dit tout à l'heure, elle devait se rafraîchir, je crois, aux toilettes. Donc on va y aller. On va voir la porte. Non, toujours pas envie. Je fais exprès de vous embêter un peu, aller de droite à gauche. Mais pour faire plus longtemps durer la vidéo. Bon, on rentre dans les toilettes du coup. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Allez, on va se rafraîchir le visage. Now, who would bother to write that crap?
évidemment des tags comme dans tous les toilettes publiques au lycée. On a un drôle de logo, je sais pas ce que c'est. Ça c'est quoi, une affiche? This poster ça, must drive quoi? People to have sex. Ok, d'accord. Oh, regardez, non, c'est quoi un distributeur? Bah oui. Bon, on va se rafraîchir. On va ouvrir le robinet. Voilà. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Oh, un joli papillon. Closes, a window opens. Je suis curieux, je vais aller voir où il va. Okay, girl, you don't get a photo il se op pose like this sur un day. Saut, d'accord. On va aller prendre un petit selfie, une petite photo. Hein. Allez, on y va. On va prendre la photo. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es dans les toilettes des filles, et nous, tu vas dans les toilettes des filles. D'accord, super. Pervers. C'est cool, Nathan. Don't stress, you're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Vas-y, Otis, prends une arme au lycée. Come on, put that thing down. Ever tell me what to do? I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Oh lolo. Il a tiré dessus. Allez, hop. Whoa. What the fuck? Évidemment, on est remonté dans le temps, on est revenu à la case départ. In the bathroom, he shot that poor girl. I held up my hand. Et je crois que je vais devoir refaire tout depuis le début, comme si on n'avait pas fait la journée, enfin les heures qu'on suivit n'existent pas pour les gens autour d'elle. Et c'est ça ce qui va être pratique, on va pouvoir tricher. And if Victoria's phone rings. C'est un super jeu, quoi. Pour ça, je vous le fais. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Captured the human condition in black and white. Alors, on a cassé l'appareil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réparer l'appareil, je crois. Je me souviens bien. À mon avis, c'est de la logique, je pense. Sinon, on peut pas interagir le truc. Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of. Là, on revient en arrière. Voilà, l'appareil photo va se réparer toute seule. I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images. Keep it together, Max. Et on va prendre un selfie parce qu'il faut quand même faire la trame du précédent de tout à l'heure pour pouvoir avancer dans le jeu. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition.
And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know, the it's real. Portrait has been popular I can tell. Since the early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl so, isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography. Et là, il est en train de se dire qu'il peut sauver la fille dans les toilettes. Donc, il faut qu'elle qu'elle quitte la classe pour pouvoir aller la sauver. Mais il y a pas mal de stratégies pour pouvoir sortir. Alors, je me sens pas... Je me sens mal, oui, c'est une bonne excuse. Ou besoin d'aller aux toilettes. Ouais. Premier, c'est beaucoup mieux. Je me sens mal. Tout ça pour pas répondre. We can talk more after class. Is there anybody here who knows there's... Donc, and I need time to save that girl. Voilà comment on va tricher grâce à son pouvoir. Sa bonne copine redit exactement les mêmes phrases, mais on va reculer dans le temps pour donner la réponse à la place de cette fille à côté qui, comme vous voyez à sa tête, n'est pas très très cool. I need to figure this out. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Donc on peut passer. Donc là on va donner la réponse du en haut là, voilà. The Daguerrean process, invented by a French painter named Procédé de Daguerre, de Daguerre, c'est somebody comme ça qu'on doit le dire. Has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Maintenant, ce Max qu'on va faire, so je pense qu'il faut attendre que la cloche sonne. Voilà, ça c'est fait. Et c'est marrant parce que à la deuxième phase, on n'attend pas très longtemps avant que la cloche sonne. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are donc, not vu que c'est qu'on a répondu, va falloir faire la trame de, comme tout à l'heure, va falloir parler au prof. Sinon, on peut. Voilà, de toute façon, j'ai voulu tenter, j'ai voulu essayer de sortir, mais le prof m'interpelle sur ma lancée parce qu'il veut me parler quand même. Voilà. Donc en fait le scénario il reste le même et les développeurs ont fait comme ça en fait. On peut pas sortir tant qu'on n'a pas parlé au professeur. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Donc on va reculer le temps et on va trouver la solution pour lui faire satisfaire le professeur comme quoi elle a révisé, qu'elle est en pleine forme et tout, pour qu'il nous laisse un petit peu tranquille. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Donc voilà. Maintenant qu'on a répondu à ses exigences, je parle bien French, nous pouvons sortir et donc essayer de sauver la fille. Donc il faut à tout prix aller dans les toilettes. Yo Daniel, you remember that it's payday? Enlève-toi, toi, mais retire de ton chemin, de mon chemin.
Non, franchement. Hein. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Alors là, il va falloir, vu que il est là, il est présent. Et enfin, ils sont tous les deux présents bientôt. Ouais, ils sont tous les deux présents. Donc il faut à tout prix que je trouve une solution pour pas qu'il fasse tuer une deuxième fois. Alors pour ça, il faut que je j'utilise l'alarme. Il faut que je pousse ceci. Et que je dois ramasser le marteau. Alors le truc c'est que il faut que je recule. Parce que ça va super vite. Il a tiré dessus donc il faut reculer encore un tout petit peu. Et normalement le chariot je l'ai déplacé mais ça sert plus à rien parce que je l'ai le marteau avec moi. Qu'est-ce que je fous? Il est dans mon inventaire. Faut juste... Il n'y a pas de marteau. Je sais vraiment pas ce que je fais. Pourquoi je veux déplacer En plus, il n'y a plus de marteau. Le marteau, je l'ai avec moi, donc il faut juste casser et appuyer. J'ai perdu un petit peu de temps, quoi. Voilà, comme ça, la fille, elle est sauvée. L'alarme a été déclenchée, évidemment. Another shitty day. That did not happen. Voilà. This cannot be real. Alors, on va sortir des toilettes. Distraitos. Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. Un agent de sécurité. Girls always use that excuse. Sécurité agent. Excuse pour ça qu'on dit, non? Alors, en plus, il a une bonne tête de vainqueur avec sa casquette et sa tronche de cake. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your. Et comment il y rentre dedans en plus? Allez, fais ton boulot, t'occupe pas du reste. Allez, éteins l'alarme. Allez, salut, au revoir. Allez, du coup, nous on va sortir. Je pense pas que ça soit par ici. Ouais, il me demande de sortir dehors. On va peut-être discuter avec lui parce que je le sens bien le truc quand je vais sortir. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be a non, je suis pas en nage, c'est parce que j'aime courir jusqu'à vous que je suis en nage. Un peu normal, je transpire en courant. Si vous ne comprenez pas. Alors, dénoncer Nathan ou cacher la vérité? Moi j'aurais dit dénoncer Nathan. Hein. Il vient fait porter sa tronche pour être poli, hein. Sinon il y avait un autre mot, mais je vais pas le dire, sinon je vais être censuré par YouTube. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing me to my attention. D'accord, bah vas-y, occupe-toi-en. Pendant ce temps-là, moi, je vais sortir dehors parce que we'll continue this prendre l'air, ça fait un peu de bien pas rester à l'intérieur. Si on est confiné, confiné. Voilà, cherchez les mots. Ramucho. Of course, this academic drone won't do anything since the Prescott family owns. Pourquoi je veux reculer? Parce que j'ai pris une mauvaise décision, peut-être.
Vu que je vous parle en même temps, je sais plus trop ce que je fais, mais bon, je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. C'est prévu dans la toute petite, dans la vidéo. Parce qu'elle est pas toute petite, parce qu'à l'heure actuelle, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Alors, on va sortir. Hold on, Max. Come back here. Mais il veut quand même me parler. Bah oui, c'est le scénario qui veut ça. C'est comme tout à l'heure avec le prof, je sortais de la classe. Je veux vous parler. Là, c'est pareil. Just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Du coup, on va choisir l'autre. Parce qu'à mon avis, je pensais qu'en dénonçant Nathan, ça allait arranger les choses, mais en fin de compte, il faut plutôt nous cacher la vérité. It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he doesn't buy that at all. T'es méchant, on aurait dû prendre le temps, en fait, compte. Est-ce que je peux bouger? Non, bon, hey. On laisse tomber, on sort. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. On fait quoi? On reste sur la première ou la deuxième décision? Qu'est-ce qu'on fait? On sort? Allez, on sort, tant pis. Bon, alors, on continue. Où est-ce qu'on doit aller? Bon, là, c'est des affiches de disparition. Où est-ce que je dois aller? Tiens, on va aller par là-bas. Ah, il y a un message d'un certain Warren. Qu'est-ce qui nous marque? Alors, hello, désolé, je suis en retard. Journée de fou. Rendez-vous dans le parking, d'accord. Pourquoi c'était des messages d'avance? Se retrouvera à la fête après les cours, ouais d'accord, bon ça c'était avant. Je pense que c'est des messages qui ont été envoyés avant qu'on commence le jeu. Et là c'est les messages c'est d'après. Donc hello, voilà, on en était là. Rendez-vous dans le parking, j'ai la casse, tu verras. Je prépare mon appareil à toutes, j'espère. Voilà, donc on va aller au dortoir, je pense. Là c'est quelqu'un qui me dit un adénisère, d'accord. Ça c'est. Oups, je suis libre vers 4h, ok. Des messages pas trop importants. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Voilà, donc on va aller sur le Beer King. Oh, je vais pas m'amuser à lire tout ça non plus, hein. Voilà, il y a des photos des personnages qu'on a rencontrés, il y en a encore d'autres à découvrir. Là, c'est un petit peu l'histoire des personnages. Je vous lis pas, hein. Vous suivez juste mon pointeur, et puis vous lisez, hein. Voilà, tranquille. Voilà, bon, on va pas faire toutes les photos non plus, hein, mais bon, il y a d'autres à découvrir. Hein.
Si vous voulez savoir l'histoire des autres personnages, je vous conseille d'acheter ou de prendre le pass saison d'épisode 1 à 5 du jeu sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC et sur Steam, bien sûr, parce que c'est sur Steam aussi que vous pouvez l'avoir. Et donc vous pourrez le lire tranquille. Alors nous on va continuer. On va aller où maintenant ? Je pense qu'il faut que j'aille au dortoir. Je crois que c'est par là. On va au dortoir. What is going on today? Voilà. C'est très rapide côté chargement en tout cas. Alors je vais aller au dortoir récupérer dans la chambre la clé USB où il y avait tous les films que Warren a prêté donc à Max, du personnage que je suis en train de diriger en ce moment même. Donc là donc c'est en rénovation. Il faut que je rentre dans le dortoir. Voilà, il y a rien à regarder, c'est une poubelle. Et évidemment, il y a la connasse. Désolé du mot. Il y a la méchante, on va dire. C'est beaucoup mieux. Là, on a Kate. Bonjour, Kate. On peut pas lui parler. Si, discuter. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Voilà, ça c'est fait. Bon, bah lui, c'est bizarre parce que... Il était en train de nettoyer dans le couloir et d'un coup, d'un seul, il se retrouve dehors. Alors, on est obligé de parler avec elle, bien sûr, sinon on ne peut pas avancer dans le jeu. The selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that close. Et en plus, elle se moque d'elle. Super. Don't worry, Max. Ça me rappelle l'époque où j'étais au collège au lycée, donc. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes. Alors, il faut trouver le moyen. Je pense avoir la solution. Il y a des jets d'eau. Il faudrait c'est que je puisse bouger les valves. Je crois qu'en allant par là-bas. La porte est ouverte, super. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du bâtiment? On a un interrupteur. What the hell? Voilà, mais are ça n'a pas fait grand chose à part bouger ses fesses, c'est tout ce que ça fait. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Alors, il faut faire plus que ça. Alors, on peut toujours pas passer. Il faut carrément les faire bouger de là, en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une cinématique. Il faudrait... C'est ce fameux saut, je crois que ça serait la solution. Voilà, il faut remonter dans le temps. Voilà, tranquille. Mais pas assez en fait. Okay.
Alors. Do you understand English? Comment on va faire? Get lost. Oh. Là, si je reviens là, ça sert à rien. Interrupteur est toujours. Non, je peux pas interagir non plus là-dessus. Alors. Il aurait fallu. Voilà, remonter. Dans le temps. Voilà, il faudrait c'est poser le seau au sol. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Je vais y arriver. Sorry, no paparazzi allowed. Je pense pas que ça fasse quelque chose, non? Juste regarder et pas interagir. Donc ça veut dire que le bouton il est donc mis en place. Oh lolo, il m'a fait peur. Voilà, faut l'utiliser. What the hell? Voilà. Are you kidding? Look at the chill, Victoria. Bon. It's just water. Alors, yeah, trouve une astuce. Faudrait c'est trafiquer le seau, voilà, comme ça. Ok, let's see if this works. Et voilà, bien fait pour toi. Ça t'apprendra à te moquer de moi. Wet pain is not good for hair, nope. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Alors, on va discuter. Hey, Victoria. What do you want, Max? On a de la compassion pour elle ou on se moque d'elle? On fait quoi? I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Okay. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and. Du coup, elle va enlever les photos qu'elle a prises sur le profil, d'accord. Du coup, bah, elle va me laisser passer, hein. Allez. Arrête de faire tes conneries et laisse-moi passer. Merci. Allez. Ce coup-ci, on rentre. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Alors, où est ma chambre, s'il vous plaît? Ça, c'est room qui, 217. Ça? Chambre 217, pour moi que je rentre là-dedans. Victoria is going to be pissed we took so long. Il court le direct, donc. Ça c'est la salle de bain, d'accord. Ma chambre elle est où, s'il vous plaît? At least that's an alarm from this century. Ma chambre. Nice atmospheric shot. Non, je veux pas voir les photos, moi je veux aller dans ma chambre. Ah, chambre de Max. How sad. I didn't write anything. On y va, on va rentrer. Home sweet home, my favorite cocoon. Bah voilà ce fameux mur.
qu'il y avait sur la photo. Alors là, il y a un petit mot, là, je crois que je viens de le voir. On va voir ça tout à l'heure. Biscuits, vêtements, il y a un peu de tout là-dedans, en fait. Hein. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Ça va, regardez, c'est une peluche, quoi, regardez là-dedans. Ça c'est quoi, il y a des coussins, il y a une chenille, un tiroir, des photos. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Quoi, un ordinateur, caméra porn, ouais, look super les sites. Beauties. Warren makes me laugh. Les développeurs mettent un peu de tout quoi It's dedans. It's nice to feel hein. Like I already made a real friend here. Là, on a quoi un petit mot, bien sûr, un post-it. Que je dois aller chercher la clé chez elle. Caramel la prise. One day I'll get an actual HDTV. On va en jouer un petit peu, tiens, allez, un peu de guitare. C'est cool. Des lampions sur le mur. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir? No shits are given. Ah, y a pas grand chose à voir, quoi. Des vêtements. I love that mom sent me a fat box of chocolate bon. Coconut bites Allez, for my sort... birthday. And non, on sort toujours pas. Je vous fais un peu marcher, désolé. He's such a goofball. Allez, on sort cette fois. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. On va demander ce qui Welcome se passe. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Oh, Juliet, this is so stupid. On va discuter. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. Qu'est-ce qu'elle a fait? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ouais, on se parle là. Alors, comment tu t'appelles, toi? On prend laquelle, les enfants? Juliette Watson, Juliette Olsen, Juliette Mason ou Juliette Watson? Juliette. Juliette Olsen. That was truly sad. C'est pathétique. Non, c'était pas celui-là. Donc, on va retourner en arrière vu qu'elle a donné son nom. C'est comme ça qu'on gagne en confiance envers les autres. C'est bon, j'ai pas peine de reculer plus vite que ça. Hein. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Alors, Juliette Watson. Juliette Watson, you be nice. I'm flattered.
I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Comment tu le sais? Est-ce que Dana ferait ça? Comment tu le sais? Moi, je penserais plutôt à celui-là. Alors, how do you alors, know? Celui-là. Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? C'est encore une histoire avec Victoria, évidemment. Dana would do anything to date a quarterback. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est trouver des preuves pour pouvoir faire sortir Dana et enfin permettre de récupérer cette clé USB pour enfin retrouver au parking notre cher Warren. Warren, pardon. Alors, où est la chambre de Victoria? C'est pas par ici, donc ça doit être de l'autre côté. Non. Voilà la chambre de Victoria. On rentre comme si on était chez nous, quoi. Alors, il faut trouver les preuves. Ça doit être sur son ordinateur, je pense. Un email ou un truc comme ça. I'll give Victoria alors, qu'est-ce props qu'on a là? Ça, c'est pas très intéressant. Nice shot. Boom. Voilà this l'email. Is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of alors, here. Alors, il faut qu'on l'imprime, je crois. On va non, pas temps de lire. On va l'imprimer. Alors, comment on fait? Bah, je crois qu'il faut rester sur l'ordinateur, je pense. Voilà. Imprimer l'email. Voilà, ça c'est fait. Et il faut le récupérer. This better convince Juliet voilà. That Dana is innocent. Et ça disparaît comme par magie. Hein. Elle le met pas dans sa poche, hein. Elle le met dans sa main. Voilà. Maintenant qu'on a la preuve, on va retourner voir Juliet pour lui montrer. Mais pourquoi tu je recule? En fait, j'ai reculé, j'ai oublié de tout recommencer. Juliet, read this. Ah oui. Of course. D'accord. Alors, du coup, bah. Oh. Faire I'm sortir la copine. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach ouais, has je suis to un say 100% Victoria. Ninja you des... set me free. Des voyages. Thank you. One flash drive is on my desk. Bon, alors du coup, on va rentrer, vu qu'elle m'invite. Comme ça, je vais récupérer la clé. Qui doit être du côté du PC. Voilà, on le prend. Est-ce que je lui parle ou pas? Non, allez, hop. Je vais sortir de là. Un autre mail. Les SMS prennent trop de temps. J'arrive à plus. Ok. Alors, on va sortir de là. On va aller au parking. Alors. Fuck this shit. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Elle était au téléphone, tranquille. Je crois que la fille là-bas, elle a reçu le ballon. Qu'est-ce que je fais? Je recule. Voilà. Oh là. Fuck this shit. Ow, that hurt. Elle a bien reçu le ballon, c'est bien ce que je pensais. On va reculer.
Get lost, hipster. On va discuter, dégage, hipster, je donne ma bonne interview. Donc en fait, on peut rien faire. Voilà, elle a reçu la balle. Donc est-ce que je fais quelque chose, j'interviens ou j'en ai rien à foutre? Ok, on n'est pas amis, je m'en fous. Hein. C'était pour passer en fait, hein. C'était pas pour être un ami. Bon allez, on sort. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Qu'est-ce Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Alors est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on prend une photo? Ah, moi si j'étais moi, j'interviendrais. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us. This is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Hey, dégage, trop duc. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Ça fait du bien de donner un coup de main aux gens qui sont en difficulté et harcelés. Allez, on va au parking maintenant. Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business. Oula, c'était trop rapide ça. So don't think I'm blind. Bon. I see everything here. Il y a deux situations, soit j'intervenais ou soit je prenais une photo. Alors on va sûrement prendre la photo. Photo ou je reste dans le ce que j'ai fait au début. Bon, on va prendre la photo. You can't fool me. Ce sera sûrement une preuve. Everything about this school, I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Contente, pas contente. C'est mitigé. Qu'est-ce que je fais? Je recule ou j'avance? Parce que ce que j'ai fait, c'est je prends une photo, d'accord. Mais c'est une preuve que si j'interviens, voilà. Bon. Bah, on va intervenir du coup. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Hey, dégage, hein. T'as pas ton mot à dire. Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Allez, on va aller sur le parking retrouver Warren. On va discuter un tout petit peu. Un tout petit peu, je sais pas. Voilà, on arrive sur le parking. Parking de l'université ou du lycée, je sais pas. Mais comme c'est le niveau, je pense que c'est lycée avec le campus à côté. Je pense que ça doit être comme ça. Oh, belle voiture. On va y rejoindre Warren tout de suite. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. Oh, il s'est pris avant. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that.
Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? J'étais occupé, on va marquer ça, parce que no, franchement, depuis ce matin, je n'arrête pas, je retourne dans le temps au moins 5 à 6 fois en ce moment. Damn, bro, donc, ça fait quoi, 3 fois, 4 fois? I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch pendant que ça narre le scénario, je vous tiens à vous dire qu'on a déjà une heure de vidéo, une heure d'épisode. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être que je vais faire l'épisode au complet. Ah, on va voir. Ouch, that sounds awful the way you say it. Alors, Pussycat Kill Kill, oui. No, I was impressed you had faster Pussycat Kill Kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Le jeu est bien animé parce que il y a des oiseaux sur le toit de la voiture, des écureuils. Alors, besoin de me confier ou pas envie d'en parler? Je pense qu'il faut se confier. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? Olo, olo. You're one of the Jeffersons' photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. De quoi tu parles? Rien. Alors, un pétasse, comment une cause? What are you talking about? I know you're new here. But don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Putain, il est stressé ce gars-là. Hein. On recule? Allez, on recule. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, ah, man. Il recule. You're telling me what to do? Get away from her, dude! Oh lolo, tout de suite là. La violence. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom. Allez, tiens, prends ça. Max? Chloe? No way. You again. Warren. Go, go, I got this. Allez, heureusement, on a des sacrifices pour qu'on se bat. Allez, on prend la culture, on se casse. Ah, mais il est vénère, il est vraiment énervé ce mec. Hein. Oh, bonjour, vous, ça va? Nathan Prescott est messed up. Qui gigote. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, bon, évidemment, how je vous ai pas Nathan? Dit la réponse. He's just another Arcadia mais asshole. Voilà. Je Your clique friend maintenant. Really took a beatdown for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Évidemment,
Évidemment. Of course, oui, it's hop, one of the évidemment. Best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Arrête, je suis désolé, allez arrête. Arrête, je suis désolé, ça sera beaucoup mieux, je pense. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliché geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Alors, on continue, on fait quoi? On fait la tête? L'appareil photo est cassé. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Allez, c'est parti. Direction chez Chloé. Waouh, ça c'est une superbe maison. Typiquement américaine. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. C'est bien une chambre d'ado américain, hein. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fuhrer makes sure of that. Come in and close alors, the door. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que on va se mettre de la mumu zizique. Alors, il y en a plein qu'un, un drapeau américain. It won't play without any power. Ça ne marchera pas sans électricité. Bah, ça, je m'en doute bien. Ce qui veut dire qu'il faut un mètre d'électricité. Voilà, on a un interrupteur. Voilà. Voilà, la chaîne ici est allumée. Alors, now, let's see il faut mettre un CD, voyons. Il faut trouver un CD de musique. Alors, regardez, cherchez. Look at that. Chloe and her dad were so close. Voilà, tranquille. Alors, un bureau, poubelle, ouais, super, tranquille. So it was Chloe who printed toujours those la flyers. Même affiche qu'on a vue au lycée, qu'on recherche donc cette fille. Qui a disparu depuis 6 mois. Ok, Chloe, regardez, une boîte en métal, métallique. Old cardboard chercher boxes. Des cartons. This looks like a laundry bag. Man, carte postale. I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Un tiroir. Chloe loved that blue. Les CD sont bien cachés dans la chambre. Hein. Ouais, donc discuter, regarder. Chloe was my BFF just 5 years ago. So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? Je n'ai pas l'impression, pas grand-chose. I don't feel grown-up. J'ai pas l'impression just d'être adulte. Confused as I get older. Oui, parce que dans ce jeu-là, elle a eu il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, je crois, 18 ans, je crois.
Donc c'est pour ça qu'elle se lui pose la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir un an de plus. Mais bon, ça nous dit toujours pas où se trouvent les CD pour mettre de la musique, parce qu'elle nous demande depuis tout à l'heure de mettre de la musique. Je fais la fête, je prends des photos, oui, c'est beaucoup mieux. Oui, vous savez, j'enchaîne en même temps. I have a blast. It doesn't sound that sad. I'm happiest when I've got a great image in my lens. I'm not lonely, not afraid. Now that's more inspiring. I don't feel so totally hopeless. Alors, la poubelle, un bureau, un PC. I think this junk swallowed her discs. C'est pas là-dedans qu'on trouvera un CD pour écouter de la musique. De toute façon, on peut rien faire d'autre à part regarder. Donc on peut pas interagir pour l'instant tant qu'on n'a pas trouvé un CD à mettre. We had such a blast drawing these together. Wow, un manga. Alors, c'est un dessin ou c'est un manga, l'un ou l'autre? Et ce sont des dessins. Ensuite, là c'était carton. Oh là, oh là, oh là. On fait tout tomber, hein. C'est pas possible, c'est pas chez nous, mais on fait du bordel. On ramasse, voilà. Et on s'en y touche plus. Alors. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even. I know my room is a disaster, but you can find a disc. Hey, did you find the disc yet? Oui, faut trouver des CD. Alors, bah un CD, pas des CD, parce que mettre des CD dans une chaîne IFI en même temps, ça va pas trop le faire non plus. Chloe totally changed her style. Alors là, on a quoi? Bah, c'est des vêtements. Vas-y, fais comme chez toi, regarde les vêtements de Chloé, t'as raison. Tranquille. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Oh, this is a flashback to you. C'est un placard, on peut pas l'ouvrir parce que c'est bloqué, je crois, par une lampe. Ça, c'est un sac. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Gross. Du linge, d'accord. Du linge sale, pour être précis. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Et ça, ce sont une facture ou un devis, l'un ou l'autre. Oui, il y a des CD dans la poubelle, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de CD dans la poubelle. C'est là qu'on range la plupart des CD quand on veut ranger dans une chambre. Toujours l'affiche de la fille Amber. Là, il y a des photos sur l'ordi. Ça va, tranquille. Donc, où sont ces foutus CD? Hey, that TV used to be in the living room. Où ce foutu CD, s'il y en a qu'un ou plusieurs, je dis les deux. Nothing but junk in this suitcase. It's here, Max. Look a little harder. Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Voilà, en fait c'était dans la boîte métallique qu'ils étaient, qu'il était le CD. Évidemment, une photo de notre disparu. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea.
Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot, even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Je vois. Et ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois. Oh, so what happened? Oui, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ta mère, plutôt? Try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Alors, How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Comment, plutôt, unlike you, she would have told savoir. Me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Alors, on va mettre le CD vu qu'elle me le demande. On va le mettre maintenant qu'on l'a entre notre possession. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. Donc du coup, are you okay? On va aller chercher sure, les awesome. Outils pour réparer l'appareil photo. Pardon. Alors, on va sortir de la chambre, on va faire comme chez nous hein. Et on va descendre les marches ou les escaliers comme vous le souhaitez. Alors, on est au rez-de-chaussée, il faut trouver le garage. Je crois que le garage il est ici. Nope. Someone locked it from the other side. Là, c'est plutôt la cuisine, ouais. I haven't là, seen this place in 5 years. Donc là, c'est le garage. I should be able to find the tools I need. Faut trouver des outils. These are way too big. I need tiny tools for that camera. Alors, où sont les outils qu'elle m'a parlé? Là, c'est la carte de... Oh, bah tiens. C'est notre cher agent de sécurité du lycée. C'est son beau-père. Garde à vous, chef. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? Là on a la voiture. Nothing. This is so lame. Là on a rien de spécial. Là on a des vieux cartons, c'est un peu pourri par là. Hein. Là on a une cible de fléchette. Là on a des placards. Qu'est-ce qu'on a dans les placards? Une vieille télé. On peut interagir avec la télé. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Enfin, il est vraiment obsédé par les caméras au lycée, franchement. Enfin, à l'académie plutôt. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms. Il y a une caméra dans toute la maison. This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Oh, les vaches. C'est un psychopathe ce mec, hein, quand même. Do I
Ordinateur portable, encore notre placard. Là on a quoi? Rien de spécial à part la nourriture. Voilà, il y a la voiture, ça je sais pas trop ce que c'est. Là c'est des vieux cartons. Bon. Où est-ce qu'ils sont ces outils? Là j'ai vu, ça c'est fait. Là c'est un ordinateur. On va pas utiliser parce que des fois on sait jamais. Qu'il aurait mis un traceur. Après les caméras des traceurs. On sait jamais. On check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Vu. Voilà, on va sur nos pas là. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Yes. Score. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Oh, precision screwdrivers. Des tournevis de précision, c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors, on va that does not regarder. Look avant de faire quoi que ce soit. On va prendre... Pourquoi je suis dans le menu là? Alors, on reprend le jeu ou pas? Ah les amis, les amis, les amis, un superbe jeu, faut le réfléchir de la précision de tout quoi. Alors, vu qu'on a trouvé les outils des tournevis de précision, je pense qu'il va falloir sûrement allumer la chaudière pour pouvoir les faire tomber. Mais il doit y avoir une astuce, parce que je pense pas qu'en les faisant tomber, on va arriver tout droit devant, vers les pieds, juste à côté des pieds de Max quand même. Pardon, excusez-moi, je sais plus parler du coup. Va faire bientôt une heure et demie de tout, que je fais le jeu et j'ai à force de commenter la voix a du mal à suivre. Alors on continue. Alors il faut allumer, voilà, comme je vous l'ai dit. That was very smart, dumbass. No can reach. Sauf qu'il est hors d'atteinte. C'est-à-dire qu'on peut pas rattraper. Man, I should have done that before they fell. On peut pas attraper les tournevis. Ce qu'il faut faire, c'est que faut prendre le journal qui est par terre, le mettre en dessous du meuble et de faire tomber après la boîte de tournevis de précision pour qu'il tombe dessus pour pouvoir ramasser ensuite. That does not look stable. Je pense que je vais faire comme ça, donc on va pousser en premier. Et ensuite, on va allumer. Voilà, comme ça, il est déposé sur le papier journal. On va le récupérer maintenant. Yes, you have. Et voilà le travail. Skills, Max. Maintenant qu'on a ce qu'il faut, ben on va revenir sur nos pas. On va revenir dans la chambre de Chloé, je pense. Il n'y a que là qu'on peut aller. On peut pas faire autre chose pour l'instant. Alors, elle est où la chambre? Non, non. Je pense pas que ça soit là. This must be Chloe's parents' room. Man, I'm nosy today. On ressort du coup. Je pense que c'était juste après avoir monté les escaliers. Bah oui, voilà, c'est là. Alors,
La suite, c'est de parler, je crois, à Chloé. C'est ce qu'il y a à faire. You can sit at my desk and fix your camera. Pour continuer les aventures de Max Caulfield. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Wait. I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Alors, je n'étais pas sûr. I know I look a lot different. I was scared. Je n'étais pas sûr que c'était toi, tu sais, ça fait quoi, 5 ans qu'on s'est pas vu, avant t'étais blonde, ou brune, je sais plus. Et là, d'un coup d'un seul, t'allais couper les cheveux avec une couleur à bleuâtre, avec un bonnet sur la tête, et des tatouages. There's no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question, did you tell anybody? Alors, je voulais le faire, non. I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. Alors, je and I seriously owe you, Max. Okay. C'est pour ça, pour son anniversaire, qu'est-ce qu'elle fait? Haha! Qu'est-ce qu'elle cherche d'ailleurs? I know it was your birthday last month. C'était le mois dernier, c'était même pas il y a 3 mois, c'était le mois dernier, son anniversaire. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm allez, fucking insane in the brain. Danser. Let's dance! Shake that phony white allez, ass. Go. Or take my picture with your new camera. Alors, avant qu'on danse, on va prendre Chloé un tof photo en train de fumer un ouinge, comme on dit, en verlan, un joint. Voilà, ça s'est fait, on a pris en photo. This song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Il danse bien quand même, Max. Oh. Non mais. Dude, the music's not even on. Asshole. Putain, là le trailer qui se pointe, attention. No fucking way. You need to hide. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je crois qu'il faut qu'on se cache. Enfin, surtout moi, hein. Pas elle, parce que elle, c'est chez elle. Chill, I'm changing. Is that okay? Il faut que je trouve un moyen de me cacher. Max, find a place to hide alors. Now. Je pense que c'est par là qu'il faut ouvrir la porte. On va se cacher. Eh merde. Bon. Vu que c'est tout tombé, on va tout remettre à zéro grâce au temps. I'm coming. Remonter le temps. Donc il faut déjà s'occuper de la lampe. On va la déplacer. Ce sera une première chose qu'on va faire. Et maintenant on va pouvoir se cacher. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open shit. What's going on in here?
Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Rien à vous, chef. Alors, est-ce qu'on reste caché ou est-ce qu'on va intervenir? Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Putain, vas-y, tu donnes une buff en plein dedans comme ça là. I'm sorry. Tranquille. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Moi, je sais pas, moi j'aurais peut-être pu intervenir aussi. J'aurais bien voulu savoir comment que c'était. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such okay, a mean bastard to Chloe. Je retourne dans le temps, je change d'avis ou on se barre. Allez, on va laisser comme ça de toute façon. Damn, what are you waiting for? Open the window. Bon, bah on va ouvrir la fenêtre, hein. Elle est vénère. Allez, on se barre. On va passer par la fenêtre. Personne ne nous verra partir. C'est parti. Ah bah tiens, un lieu qui est familier. On le voit au début du jeu. Et sur une des photos de classe, je crois, si je me souviens bien. Oh, un élan. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ok, alors. On va donc retrouver Chloé qui est déjà très loin de Max. Je pense qu'elle est déjà arrivée au niveau du phare, je crois. Et on a un message de Warren. Je t'en dois une. Merci pour aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. Ça, c'était promis. Ok, d'accord. Très bien. Oh putain, il l'a pas loupé. Hein. Alors, on continue. Alors, elle est là déjà assise sur le banc, tranquille. On va se taper une petite conversation. Sit down if you want. Désolé ou tu m'en veux. Tu m'en veux. I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Alors, j'aurais dû prendre en photo. I should have ouais, taken his pense. Photo when he flipped out on Kate today. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Alors, je me sens... non, j'aurais bien aimé... Quel dossier? Je sais même plus lire, en avance. You know I would have read them. I'd love to. They must be important, or he wouldn't hide them deep in his garage bunker.
He kind of creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. Ah, il dit clairement la vérité, quoi. C'est vrai, on a vu ce qui surveille la maison, il y a des caméras partout. C'est quand même étonnant qu'il ne voit pas les caméras, en plus il y en a à l'extérieur devant la maison. Quand t'arrives, normalement, c'est évident de le voir. Je sais qu'on ne grimpe pas en l'air tout le temps, mais quand même. On doit bien se poser des questions quand on voit une caméra accrochée, quoi. Alors, la suite, s'il vous plaît. He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Alors, combien de tu dois? How much do you owe? $3,000 plus interest. $3,000, c'est équivalent à 2 900 euros, les enfants. Enfin, en gros, si je calcule bien. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Alors, je suis furieuse. I am so furious, I can't even speak. Ça, c'est sûr, faut être furieux quand il vous fait un truc pareil. I figured I would drogué, make him l'emmener chez lui ou je sais où. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous. Moi, j'aurais dit d'appeler la police. Not just to you. Je sais pas Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Oui, on va la retrouver, c'est même pas Amber. Alors, si vous avez entendu pendant toute la vidéo que j'ai appelé la disparue d'Amber, c'est pas Amber, c'est Rachel. J'ai pensé que c'était Amber. Voilà, nous retrouvons dans l'épisode du début, en pleine tempête. Une tornade, bien sûr, c'est une tornade. Alors là, c'est l'élan fantôme, et à mon avis, il va falloir le suivre. Alors, vu qu'il fait noir, ça va pas être trop évident. Je crois qu'il y a petit... Il y a des pièges. Ouais, j'en étais sûr. C'est-à-dire qu'il me bloque le passage. Il va falloir sûrement remonter le temps et essayer de passer en même temps. Enfin, je pense que c'est comme ça. Alors. I've never seen a storm like this in Oregon. En remontant le temps, vous pouvez vous positionner à l'avant pour vous téléporter. Voilà, donc ça s'est tombé, mais il faut reculer et essayer de passer en même temps. Thank you.
Et voilà. On continue notre trajet, on suit l'élan. Alors là, il y a des petites branches qui tombent, c'est parfait. Quoi. On va prendre le remonteur de temps. On continue, on arrive. Donc au niveau de la grosse tournade. Avec le bateau qu'on avait au début, qui a fait tout casser. Donc là, on va voir ce qui se passe. Là, on n'a plus du tout avancé. Et donc, il faut remonter le train. Et on va passer avant qu'on se fasse écraser. Voilà, donc ça c'est à lire, c'est un journal je crois. Le 11 octobre. Ouais. Ça va se produire le 11 octobre. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years, which is so. No, no, I saw it! I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I... Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Ah, qu'est-ce qui se passe? De la neige en plus qui fait chaud. What youpi! The hell is this? Snowflakes? C'est du n'importe like quoi là. 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Voilà, ce coup-ci elle la croit. Hein. Il suffit qu'il neige pendant qu'il fait 25 degrés dehors. Hein? Quand elle explique que c'est un changement climatique concernant une tornade, là ça y est. Bon, je crois qu'on a fini l'épisode, vu que c'est on appelle ça l'épilogue du premier épisode du jeu Life is Strange, Crystallize, pardon. Donc, vu que c'est juste de la musique montrant les personnages qu'on a vus dans le jeu qui sont en train de regarder, de pleurer et de voir qu'il y a de la neige pendant qu'il y a du soleil. Voilà. Et vu que vous voyez le personnage avec le chien, je pense que l'épisode 2, on va bien y avoir droit à celui-là, je le sens. Il doit y avoir une petite histoire. C'est pas pour rien qu'ils mettent des personnages en fin de jeu. C'est qu'il doit y avoir une histoire proposée aux prochains épisodes. J'espère que l'épisode 1 sur les 5 de Life is Strange vous aura plu. J'ai hâte, pendant que je vous fais cette vidéo, il y a déjà 3 épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes. L'épisode 4 devrait arriver d'ici peu, d'ici une semaine, ils ont retardé un peu la date. Voilà. Donc là, ça va être le générique de fin, n'est-ce pas? Donc... qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, que je vous ferai les autres épisodes, mais pas tout de suite. Là, c'est le premier épisode. Je vous ferai sûrement l'épisode 2 et l'épisode 3 vers septembre. Peut-être avant, ça dépendra des vacances, du planning, enfin de l'organisation de la chaîne de Tiger Claw. Et de mon PC, s'il est assez performant. Bon, celui-là, il a bien passé, tranquille. Mais après, je ne sais pas si les autres seront passeront ou pas avec le PC minable que j'ai.
C'est pour ça que j'essaie de trouver une solution pour évoluer mon ordinateur, pour vous proposer beaucoup plus de jeux en netteté et sans bugs de ramage, enfin de RAM. Vous m'avez compris quoi, que ça rame pas pendant qu'on joue, quoi, que ça bug pas, que ça coince pas. Donc voilà, ça c'est des projets, il y aura d'autres jeux par la suite. Pour l'instant, pour le mois de juillet, vous retrouverez Marvel Heroes 2015, qui en compte pour l'instant 4 épisodes, je sais pas combien il y en aura, ça va dépendre combien de temps je les fais, que je les mets et que je les monte. Peut-être qu'il y en aura 10, peut-être qu'il y en aura 12, je ne sais pas trop. Mais ne vous inquiétez pas, le mois prochain, je vous réserve un autre jeu. Je pense que je ferai une autre vidéo sur Gmod, mais version prison RP. Parce qu'ils ont fait un nouvel univers sur une prison où vous jouez le rôle d'un prisonnier, d'un gardien, d'un cuisinier. Vous jouez le cuisinier pour faire à manger aux prisonniers. Voilà, donc c'est un nouveau mode de jeu par rapport à ce que je vous ai montré au début. Enfin, je vous ai pas montré grand chose, juste comment ça fonctionnait. Je pense qu'en septembre, je reviendrai dessus en vous montrant le général du Dark RP, donc où on me ferait passer pour le maire, un flic, un banquier, etc. Et après, peut-être que je vous ferai une autre partie sur la prison RP par la suite, par derrière. Pour l'instant, on fait petit à petit, je vous fais un épisode, pas comme certains font plusieurs trucs, plusieurs let's play, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, je fais à mon rythme. J'ai plein de jeux à vous proposer. Je me suis même amusé à vous faire une liste complète de jeux que je ferai sûrement, que ce soit des anciens, du rétro, peut-être, je sais pas, on verra, ou des nouveautés qui sortent, comme The Witcher 3, Watch Dogs, etc. Donc, je vous proposerai tout ça, ainsi que l'intégrale des Assassin's Creed jusqu'au dernier. Qui va s'appeler Assassin's Creed Syndicate, qui va sortir à la fin de l'année, je crois, si je me trompe pas. Voilà, je raconte ma petite histoire pendant que défile le crédit de fin. Il y aura sûrement. Vous pouvez aussi voir que je vous mets les liens YouTube sur la page Facebook et Twitter. Il y aura sûrement du live avec Twitch. Il y aura sûrement, j'ai même aussi créé un site blog de la chaîne, TigerClaw, je ne sais plus quoi, .blogspot.com, qui vous mettront directement les liens de la vidéo, plutôt que de vous embêter à cliquer la chaîne sur YouTube et que vous trouvez la playlist ou la vidéo que vous recherchez, que là c'est directement, vous allez sur le site. Vous allez donc vous avez des onglets sur la gauche, vous avez aventure online, jeux de rôle, etc. Vous cliquez sur, par exemple, là ça va être de l'aventure, je pense. Donc vous cliquez sur aventure et vous aurez donc le petit logo, enfin la photo du logo de Life is Strange. Et en dessous vous aurez le nom, et quand vous cliquez sur le nom, vous atterrissez directement sur YouTube, sur la vidéo. C'est plus rapide pour vous. Voilà, c'est des petits détails. Je raconte ma vie, je le sais. Désolé. Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo, enfin sur cette fin de vidéo de Let's Play. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ou de disliker si vous n'avez pas aimé. De faire des petits commentaires en dessous de la vidéo ou sur les autres vidéos de la chaîne YouTube. Et puis vous faites pareil, liker ou disliker. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Vous serez les bienvenus à The Herd, qui veut dire le troupeau. Et si vous connaissez du monde qui sont passionnés de jeux vidéo et qui aimeraient voir des let's play ou voir des astuces s'ils jouent en même temps au jeu que je leur propose, et ben vous leur dites ben, abonne-toi, ou like ou dislike s'ils n'aiment pas, ou faire des commentaires, ou me faire des petits messages, c'est pas un problème, je répondrai quand je le pourrai. Pour cela, donc, d'accord, n'importe quoi, je vais donc vous laisser, voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, de grandes vacances d'été pour les lycéens, collégiens,
qui reprennent de l'énergie pour la rentrée de septembre. Là, je vais avoir des ouh parce que on est déjà à 15 jours de vacances, ok. Mais bon, vous savez, les années, les jours, les mois ne coupent plus comme d'habitude. Ça passe trop vite. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, sur la fin, avec les spéciales funk et sur la bande-annonce de l'épisode 2 que je vous ferai d'ici peu. C'était Tiger Claw. Salut tout le monde!